De la production à la distribution, l'usine Okati passe par plusieurs étapes. Elles sont toutes indispensables en vue de la transformation de l'eau en eau potable. La procédure étant importante et cruciale, il faut donc un personnel très bien organisé à toutes les étapes de la production pour mieux assurer et veiller à la qualité du produit, selon Oufoué Biki Amon, responsable technique de l'usine Okati. Chaque jour, je produis en moyenne entre 12 000 et 16 000 bouteilles par jour. Pour les petits, ça me fait une moyenne de 1000 cartons. Et au niveau des packs, ça me fait une moyenne de 1000 packs. Rien n'est pris à la légère. La société veille scrupuleusement au respect des règles d'hygiène et des normes à la qualité. Et ceci dans le but de veiller à la bonne santé de ses consommateurs. Le responsable qualité de l'usine Okati explique les différentes étapes de la production. La production commence d'abord par le traitement de l'eau. Et ensuite, les prélèvements et les analyses. Nous vérifions les éléments communs. On les appelle les éléments communs parce que ce sont des éléments qu'on recherche généralement, genre le fer, le manganèse, le magnésium, le sulfate et autres. Et lorsqu'on vérifie, si qu'on appelle même les valeurs sont bonnes, ça c'est le côté physico-chimie. Au niveau de la bactériologie, les analyses se font les soirs et on vérifie. Pour la directrice générale d'Okati, la présence de la société industrielle des boissons et des eaux Sibem au Mali est importante et stratégique pour la boîte dans l'atteinte de ses objectifs. Nous sommes très fiers de montrer notre usine qui est un des joyaux du Mali, un des derniers joyaux du Mali puisque c'est l'une des dernières unités industrielles d'embouteillage. Dans un secteur agroalimentaire de plus en plus exigeant et réglementé, la Sibem a voulu jouer un rôle national en se certifiant ISO 9001. Donc nous sommes actuellement sur la route de cette ISO 9001 version 2015 pour se certifier dans notre management qualité selon les normes internationales. Et pour ces raisons, je garantis la qualité de Okati. Plusieurs personnes travaillent activement chaque jour au sein de cette usine pour pérenniser la production de l'entreprise. Okati dispose de l'agrégation du ministère de la Santé du Mali. Elle respecte également les normes de l'OMS sur l'eau en bouteille, selon ses responsables. Cette société de production d'eau minéralisée entend s'étendre au Mali, mais également dans la sous-région, pour servir les consommateurs en eau minérale de qualité.